Le miroir d'Henri de Roberto Proal Re Rivis. Le miroir d'Henri. La lune est rousse, le ciel est noir. Il est l'heure pour Henri le lézard de sortir les pinceaux du placard et de filer sous la grande ours. Dans le parfum des nénuphars, Henri trouve l'inspiration. Il plante son chevalet et déclare « Je m'en vais peindre les têtards !» Mais les têtards sont agités et Henri doit jouer du poignet. Voici que le brouillard s'en mêle. Intéressant, se dit Henri, qui installe une nouvelle toile. Il met en pratique aussitôt la technique du sfumato. Enfin, il se rend chez Omar. Un vieux crapaud amateur d'art, fidèle admirateur d'Henri, depuis ses tout premiers croquis. Bavard comme tous les crapauds, Omar analyse et compare. Afin d'élargir le savoir de son ami, il lui suggère l'étude d'un petit manuscrit signé par le grand Léonard. Oui, ça veut dire Léonard de Vinci. Henri ouvre une page au hasard et découvre de curieux dessins, sous lequel le génie florentin a écrit quelques vers à l'envers. Oups. Un véritable chercheur d'art doit savoir peindre un miroir. Si celui-ci réfléchit, alors il connaîtra la gloire. Henri, droit comme un i, et comme s'adressant à Léonard de Vinci, s'écrit « Réussir à peindre un miroir au point de pouvoir s'y voir, je relève le défi. » Et puis, il rentre chez lui. À grand confort de café noir, Henri s'installe à la tâche. Il peint le jour, il peint la nuit. Dans son lit, même dans sa baignoire. Lorsque, miracle, un beau soir, il peut enfin crier victoire. Illico, il appelle Omar. Tu lui donnes rendez-vous à moins le quart. Le crapaud, dans l'excitation, a prévenu tout le canton. Enfin, l'œuvre est dévoilée. Chacun se presse de s'y mirer. Un coq, poule, etc. Wouhou ! Chouette, ulule, Jacques-Hibou, renversant ! Crie Louis, j'ose. Captivant, laisse échapper à l'araignée. Apaisant, belle Raoul Mouton. Charmant, brame Lola Biche. Décoiffant, c'est mal Paul Porc-Pic. Luisant, susurre Pierre Petit Vert. Sublime, c'est merveille, Charles Pont. Omar félicite son ami. Te voilà un artiste accompli. Henri, après réflexion, doit bien reconnaître que oui. Ainsi qu'il était écrit, Henri rencontre la gloire. Une foule d'amateurs éclairés se pressent à son atelier. Selfie, qu'il décide de fermer le mardi et les jours fériés afin de récupérer. Et parfois, dans l'histoire de l'art, il arrive qu'un chef-d'œuvre s'égare. Henri Lézard a beau fouiller tous les coins de son atelier, plus la moindre trace du miroir. Sans qu'il puisse l'expliquer, il s'est volatilisé. Il en fait part à Omar. Qui pour calmer son compagnon, lui concocte une infusion.
Puis il croit à Henri. Si le miroir a disparu, ton talent, lui, n'est pas perdu. Et pour stimuler ton génie, il te suffit d'un nouveau défi. Après une longue méditation face à la nébuleuse d'Orion, voici qu'une étincelle jaillit dans l'œil ébloui d'Henri, qui conclut « Racaillardi, je m'en vais peindre l'infini !» Fin.